Qu'y a-t-il ? Judith, merci d'avoir oublié le passé et d'être venue à l'enterrement. Tu as le temps à midi ? Je veux t'inviter à manger. C'est bon. Si je suis venue à l'enterrement, c'était juste pour André. Rien d'autre. Ne me remercie pas. Judith, sois gentille, d'accord ? J'ai encore à faire. Vas-y tout seul. Désolée. Tu ne me donneras pas une autre chance ? Monsieur Reux ! Judith a encore à faire. Ne la forcez pas. Aussi, on n'a pas de règle que les employés doivent manger avec nous, non? Vous pouvez la voir pour le travail. Pour le reste, pas besoin de vous. Qu'est-ce qu'on mange? Je t'écoute. Je connais un resto qui fait de bons steaks. Désolé, on y va. C'est de ma faute. J'ai sûrement dû lui faire du mal. Tu es très intelligent, non ? Mais pourquoi est-ce que tu as fait confiance à cette peste de Charlotte ? Bon, c'est déjà décidé. Je ne me reposerai plus sur personne. Allô, excusez-moi, vous êtes l'entreprise qui a mis l'annonce de recrutement dans le journal ? Je voulais demander, est-ce que c'est logé et nourri ? D'accord. Et pour le salaire alors ? 3 000 ? Président. Judith Lee du service marketing veut vous voir. Judith Lee ? Oui. Oh, faites-la entrer. Bien. Président. Par là. Dites-moi, que voulez-vous me dire ? Je me permets de vous parler de choses privées. Privées ? Dites-moi donc. Je pense qu'il y a
un malentendu entre vous et mon ex-belle-mère. Pardon ? Voilà tout. Ma belle-mère a été expulsée de chez elle à cause d'un homme. C'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est vrai. Elle a été séduite par quelqu'un. Mais c'était un piège qu'on lui tendait. Et elle est tombée dedans. Ma belle-mère est quelqu'un d'émotif. C'est une personne qui donne beaucoup aux gens. Elle ne réfléchit pas. C'est son point faible. Mais je la connais bien. C'est une personne gentille, pure et aimante. C'est à cause de cela qu'elle a enduré tout ça. Président, je ne sais pas ce que Madame Jo vous a dit de Maud. Mais en tout cas, ce n'est pas la vérité. L'important maintenant, c'est que Maud souffre beaucoup maintenant. Je peux le voir. Elle est très sincère envers vous. J'espère que vous pourrez voir sa sincérité. Je me suis permise de t'en parler. J'espère que vous comprendrez. Bon, président, je m'en vais. Oh, allez-y. Est-ce que je dois m'expliquer à Hugo, demander son aide? Où est-ce que je vais trouver tant d'argent? Comment faire? Bonjour, je suis Madame Jo. Est-ce que Monsieur Re est là? Il n'est pas là. Monsieur Re est parti déjeuner. D'accord. Quelle heure est-il maintenant? Il déjeune encore? Qu'est-ce que ça fait là? Judith? Tu ne touches pas. Zoé? Papa! Hey, regarde ce que je t'ai acheté. Ça te plaît? Oui, mais maman a dit de ne rien accepter des gens. Mais tu me connais. Tu me manques. Je viens te voir. Merci, papa. Gentil. Flora, vous aimez le gâteau à la crème? En voilà. J'en veux pas. Mais il est très bon. Va-t'en. Va-t'en. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. Va-t'en. Maman, maman, vous m'avez oublié. Je suis Hugo, votre beau-fils. Je m'occuperai bien de vous à l'avenir. Tu es le méchant? Oh non. Papa, tu veux vivre avec nous? Oui, si Zoé est d'accord, je pourrais venir avec toi. Mais tu as divorcé avec maman. Alors Zoé, si tu en parles à maman, tu dis que tu veux vivre avec papa, on pourra vivre tous les trois. Zoé, Zoé, c'est un méchant. Ne le touche pas, maman, Zoé. Maman, pourquoi je suis méchant? Je suis le père de Zoé. Tu es méchant. Va-t'en. 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 Calmez-vous un peu. Va-t'en. Va-t'en. Non. Non, va-t'en. Pourquoi vous me poussez? Mais... Va-t'en. Hé hey. Papa, pars vite, je bloque mamie. Zoé, tu dois le dire à maman. Tu veux vivre avec papa.
N'oublie pas! Va-t'en! Va-t'en! C'est un méchant! Mais mon beau-père était en mauvaise santé, et elle a eu des amourettes. Quand ça s'est su, mon beau-père a pris un coup. Et puis, il est mort. Ma belle-mère a été expulsée de chez elle à cause d'un homme. C'est à moitié vrai, à moitié faux. C'est vrai. Elle a été séduite par quelqu'un. Mais c'était un piège qu'on lui tendait, et elle est tombée dedans. Ma belle-mère est quelqu'un d'émotif. C'est une personne qui donne beaucoup aux gens. Mais je la connais bien. C'est une personne gentille, pure et aimante. Président ? Oh, tu es là. On a acheté vos friandises préférées. Oh, posez-la. Ben alors, ça ne va pas ? On peut aller jouer au golf ? Pas la peine. Vous ne mangez pas ? Pas de golf non plus ? Vous aimez ça, d'habitude, non ? Laurent, si jamais tu entendais dire que ta Marie est une mauvaise personne... Impossible, impossible, président. Ma femme, Marie, elle ne pourrait pas faire de mal. Oh là, j'ai dit si. Si jamais elle... Il n'y a pas de si, président. Regardez, ma femme. Si elle n'est pas au yoga, elle fait du shopping. Qu'est-ce qu'elle ferait de mal ? Non, mais, président... C'est votre copine ? Laurent, viens marcher avec moi. Allez. Bonjour, je suis de la compta de ADA. Voilà tout. Notre entreprise a payé en trop une commande de grains de café. Oui, c'est une erreur qui vient de chez nous. Le compte, c'est la banque Zhaoying, 234-70983. D'accord, oui. Bonjour, je suis de la compta de ADA. Madame, voilà la caution. Ah, merci. Le jour du déménagement, réglez en même temps tous les frais. Ensuite, vous pouvez venir ici. Ah, d'accord, c'est noté. Le compte est bon ? Je pensais... Est-ce que je n'ai pas vendu cet appartement trop peu cher ? Ouais. Madame, vous ne savez pas, maintenant les prix du marché baissent beaucoup. Mais vous avez trouvé la bonne personne. Mais où est-ce que vous allez ? Vous avez un appartement ? J'ai déjà trouvé. Bien, je m'en vais. Non. Non. Ah. Je n'ai plus rien du tout à mettre. Oh. Comment faire ? Je vais aller acheter quelques habits et me faire belle pour aller le voir, pour lui expliquer. Peut-être qu'il me comprendra. Oh. C'est décidé. Juste une dernière fois. Je ne pensais pas que les vêtements étaient si chers.
C'est encore plus qu'un mois de salaire. Il m'ignore vraiment. Non. Je ne peux pas perdre contre cette sorcière de Charlotte. La dernière fois, elle m'a piégée et m'a expulsée. Cette fois, je n'abandonnerai pas. Cette fois, je vais faire ce que je peux pour l'amour. Allez! Je n'ai rien fait de mal. Je ne peux pas faire tout comme avant. Président, voilà tous les documents. Je Madame, vous Bien. Ne pouvez pas entrer. Hé, attendez! Vous ne pouvez pas entrer. Président, désolé, cette femme... Ça n'est rien, allez-y. Allez. Pourquoi tu ne réponds pas? Assieds-toi. Réponds à ma question. Maud, je dois y réfléchir. Tu préfères croire cette Charlotte plutôt que de me croire, moi? Maud, calme-toi un peu, tu... Ou est-ce que ça veut dire que tu me mens depuis le début? Tu disais te ficher de mon passé. En plus, je n'ai pas ce passé-là. J'ai été piégée et j'ai perdu mon chez-moi. Tu le sais? Je ne crois pas ce que dit Charlotte. C'est juste que... Tu ne la crois pas? Pourquoi tu me traites comme ça? Rentre chez toi. Je suis très perturbée. Est-ce que tu sais tout ce que je fais pour réparer notre relation? Oui, j'ai l'air d'avoir le culte de l'argent. Je suis impulsive. Mais c'est parce que personne ne s'est jamais intéressé à moi ces dernières années. Je ne sais pas quoi faire à part faire du shopping. Mais je ne trahirai jamais mon mari pour de l'argent. Aussi, aujourd'hui, je viens pour te dire que peu importe si tu veux changer d'avis ou pas, je n'ai jamais fait de mal à personne. Aussi, si j'étais avec toi, jamais ça n'a été pour l'argent. C'est parce que personne ne s'était jamais donné de mal pour moi. Bien. J'ai fini. Maud, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hé, Judith. Bonjour. Le café sent très bon aujourd'hui. Oui. On a acheté de nouveaux grains. On est en train de goûter. Est-ce que vous voulez essayer? D'accord, je vais goûter. Oh, ah oui. La publicité pour rechercher l'espoir, elle fait le buzz, non? Oui. Je ne pensais pas que ça marcherait si bien. Mais on achète les grains les plus chers, non? Je vois que les prix ont changé. Les prix ont changé? Mais non! Les prix de nos commandes sont tous les mêmes. Mais non, les grains sont vraiment plus chers. C'est plus cher? C'est impossible! Pourrais-je jeter un coup d'œil à la facture? Oh, d'accord. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Pourquoi le prix est si haut? Comment ça se fait? Judith, est-ce que tu as fait une erreur? Je m'inquiète aussi.
Pourquoi le prix est différent? Le président voulait te voir. Il avait l'air pressé. Le président me cherche? Judith, tout ça n'a rien à voir avec le boulot. Donc, promettez-moi d'être sincère. Je vous le promets. Très bien. Je vais vous poser une question. Vous devez me répondre honnêtement. Quand vous êtes venu me parler de Maud la dernière fois, tout était vrai? Président, vous... Répondez-moi juste honnêtement. Oui, c'était vrai. Peut-être serez-vous surprise, mais ce que Charlotte Jo m'a dit à propos de Maud, ça m'a vraiment beaucoup bouleversé. Vous savez, j'ai déjà un pied dans le cercueil. C'est dur pour moi d'endurer la douleur d'amour. J'ai du mal à trouver une femme que j'aime, mais tout c'est compliqué. Désolé, je vous ennuie. Mais, après tout, vous avez vécu avec Maud pendant tellement d'années. Vous devez bien la connaître. Oui. Elle est vraiment une bonne personne. Je peux garantir qu'elle ne ferait pas ce genre de choses. Judith, si vous découvriez que Thomas n'est pas du tout celui que vous croyez, comment faire? Vous le quitteriez? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas qui je crois qu'il est, mais celui qu'il est vraiment. Quoi qu'il fasse, je ne l'abandonnerai pas. Donc, c'est comme ça que vous avez pu tenir jusqu'à ce jour? Il me donne du courage. Je lui fais confiance. C'est très simple. Si l'un de nous avait abandonné, nous n'en serions pas là maintenant. Hey, allez-y. J'y vais alors. Je ne pensais pas que le président serait aussi émotif. C'est mignon. Où est le problème, enfin? Oh, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai cherché pendant des lustres. On a fini la journée. Ne sois pas si sérieuse. Je t'emmène dîner. On ne va pas pouvoir manger. Regarde un peu ça. C'est la facture des grains de café? Oui, c'est ça. C'est celle que j'ai soumise. Et regarde en dessous, c'est la facture qu'a envoyée la comptable. Mais le tarif est vraiment différent. C'est si différent? C'est possible? Il y a une grosse différence. C'est inadmissible. Qu'ont dit les gens de la compta? Ils demandent juste que, vu le prix du café, est-ce que c'est pas du premium? Il y a une autre option. Comment ça? Peut-être que quelqu'un l'a falsifié. Tu veux dire, c'est de la corruption? C'est très possible. Si ça provient de la compta, ça passe encore. Mais si ça venait de notre service marketing, on portera le chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut découvrir depuis quand ça dure et comment il a fait. Mais ça a toujours été notre service qui s'occupait des achats. Si jamais ça venait de notre service marketing, notre image serait gravement entachée. Hugo et les autres ne le laisseront pas passer. Ils ont toujours voulu démonter notre deuxième service. Voilà. Donne-moi quelques jours.
Je pense que notre deuxième service est innocent. Il nous faut juste des preuves. Je dois découvrir ce qui se trame au juste. Et qui le fait. Rassure-toi. Je serai là pour te couvrir. Thomas, c'est si grave que Hugo, tu l'as dit. Où es-tu? Oh, je suis le chauffeur privé. Je suis devant chez vous. Il faut que vous veniez. Monsieur est très libre. D'accord. Le président va être fou en l'apprenant. Entre. Chérie, pourquoi tu as beaucoup trop bu? Ne me touche pas. Parce que Best Buy j'avais dit est une chez très moi. Grande entreprise. Pourquoi je suis à la boîte de nuit? Nous n'avions donc pas de filet c'est chez vous dans cette coopération. Mais c'est une hôtesse. On ne savait pas qu'on l'a mal jugée. Et qu'on perdrait tout. Allez-y. Oui. Les clés de la voiture. Hugo, tu es sous. Entre vite. Au revoir. Pas douche. Je marche seul. Ne me touche pas, c'est sale. Hugo! Il revient toujours tard. Qu'est-ce qu'il fait? Comment? C'est pas le quartier de Judith? Pourquoi aller là-bas? Hugo, tu ne veux quand même pas te remettre avec Judith? Non. Je ne peux pas le dire. Tu as quelque chose à me dire? Non. Pourquoi? S'il n'y a rien, ne me fixe pas. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Où tu vas, tout le temps? Pourquoi tu pars toujours, plus tôt? C'est pas tes affaires. Désolée. C'est de ma faute. Ne me torture pas. Mets ton énergie à la maison et dans la boîte. Je t'en prie. C'est facile à dire. Tu te crois pardonner de tout avec tes excuses? Je t'envie. Tu vis avec tant d'espoir. Hugo, je ne veux pas dire ça. Alors, tais-toi. Je ne veux pas discuter avec toi. Ferme ta bouche. D'accord. Tu sors aujourd'hui aussi? On est dimanche. Je ne sais pas. J'irai peut-être au golf. La passe, la passe! Ne reste pas seul, passe, la passe! Oh là! Oui! Allô? Président, c'est moi. Laurent, viens me rendre un service. Hein? D'accord, j'arrive tout de suite. Président. Laurent, tu en as mis du temps. Je vais m'occuper de Léna. Viens, choisis pour moi. Lequel est le plus joli? Président, ça y est? Un homme, ça doit être généreux. Moi, je m'excusais auprès d'elle. Regarde, lequel est le mieux? Choisis pour moi. Mais ça, je n'en sais rien. Mais tu fais souvent du shopping avec ta femme. Tu en sais beaucoup plus que moi. Écoute-moi, c'est très important pour moi. Si elle ne me pardonne pas... Ta femme Marie a le même âge que Maud.
Donc je pense qu'elles ont peut-être le même goût pour les sacs, hein? Président, celui-ci? Tout est prêt, sauf l'essentiel. Laurent? Laurent, qu'y a-t-il? Chut! C'est Marie. Si elle découvre que je ne la suis pas, je vais devoir faire du yoga. Oh! La vieille du 201? Vous me parlez? Oui, c'est vous, vieille dame. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devez aller payer vos frais de gestion immobilière. Je suis désolée, je le ferai. Hein? Mais quand ça? Je le ferai. C'est combien en tout? Eh, voilà, quand je déménagerai, je payerai d'un coup. C'est combien? Hein? Alors, c'est combien? Georges. Là. Je vais payer. Allons-y. Hey. Écoutez-moi. Plus tard, si vous criez encore une seule fois sur cette dame, je perdrai mon calme. Je... On y va. Hé, hey. Ah oui, hein? Arrêtez de l'appeler la vieille. Hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Quoi? Tu vas rester planté là encore longtemps? Bon, écoute-moi, je ne peux que t'offrir un verre d'eau. Ah. Maud. Quoi? Est-ce que tu viens pour te séparer officiellement? Oh là, tout le monde a un passé. Moi, je ne suis pas un gamin de 18 ans. Et si tu n'y as tué personne, eh bien peu m'importe. Pourquoi tu dis ça comme ça? Je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. En tant qu'homme, j'ai vraiment l'esprit tout pétriqué. Heureusement, quelqu'un est venu me dire toute la vérité. Qui? Ah, ce n'est pas important. Je dois te croire plus que quiconque. Mais j'ai cru aux mensonges des autres. Je t'ai mal jugé. Je suis vraiment désolé. Dernièrement, j'étais mal aussi. Je ne mangeais plus du tout. Je m'ennuyais toujours. C'était vraiment triste. Alors ça n'a rien à voir avec mon irruption dans ton bureau? En vrai, quand tu es venu dans mon bureau, j'ai eu très peur. Quelle surprise! En fait, je ne voulais pas te mentir. J'avais peur de te perdre en disant la vérité. Je comprends. Tout le monde aurait fait pareil. Merci de comprendre. Maud. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Je te l'ai dit tant de fois, je ne veux pas ton argent. Pourquoi tu as acheté tout ça? C'est pour ouvrir une boutique? C'est parce que tu n'es pas encore comme ça que je veux t'offrir tous ces cadeaux pour m'excuser. Il suffit que tu n'écoutes plus les bêtises que les autres disent. C'est tout. Je ne m'en remettrai pas une deuxième fois. Oh là, je sais, je ne le ferai plus. Hein? Alors je te prie d'accepter mon intention, s'il te plaît. Eh bien. Waouh! Tu as vraiment bon goût. Eh, j'ai mis beaucoup de temps avant de les choisir. Je voulais que tu les aimes. En fait, si tu as mis ton cœur, même s'ils étaient en tissu, ça me plairait. Maud.
Allô, Madame Lee? Que me vaut votre appel? Monsieur Re, bonjour. Je peux vous poser une question? Qu'y a-t-il? J'ai entendu quelques rumeurs qui disaient qu'on avait payé Best Buy en avance. Vous l'avez approuvé? Comment? Payé avant de signer le contrat? Avant d'avoir signé le contrat avec eux, nous avons payé l'investissement. Cela nous pose de gros problèmes. Je ne suis pas au courant. N'est-ce pas? Je pensais que vous n'approuviez pas. Même si nous avons signé, on ne peut pas négliger le protocole. Bien, je comprends. Allô? C'est Charlotte Jo. Viens dans mon bureau, j'ai à te parler. D'accord. J'arrive tout de suite. Comment ça se fait qu'on ait payé l'investissement avec Best Buy? Hugo, qu'est-ce que tu dis? Charlotte, arrête ça. Personne n'a pu le faire à part toi. La compta m'a déjà envoyé l'email. Pourquoi as-tu pris mon tampon? Hugo, ne t'inquiète pas. Je comble le trou de l'investissement. Je peux tout arranger. Charlotte, sais-tu vraiment ce que tu fais? Est-ce que tu sais que la moitié d'ADA provient de tous les efforts de mon père et moi? Et à cause de toi, on va probablement être virés tous les deux! Charlotte, es-tu folle? Hein? Tu es folle! Tu es folle! Hein? Ta comédie, et encore? Continue! Charlotte? Charlotte! Charlotte! Pourquoi tu saignes? Charlotte! Vous ne savez pas que c'est la période la plus dangereuse? Hein? On a évité le pire. Heureusement, le foetus n'a rien. Mais pourquoi vous ne venez que maintenant? Vous auriez dû avoir des crampes abdominales et avoir mal. Vous êtes faible et avez un risque de fausse couche. Madame, s'il y a quelque chose, venez tout de suite. Oui. Tu es enceinte? Allô, qui est-ce? Docteur Lynn? Ma fille est morte. Quoi? Comment c'est possible? Vous disiez que tout se passait bien, non? Eh bien non. Son état s'est encore aggravé. Il n'a rien pu faire. C'est bon. Ma fille ne souffre plus. Docteur Lynn. Je ne sais pas comment vous réconforter. Désolée. Non. Je suis désolée pour vous. Pour guérir ma fille, j'ai commis l'irréparable. La mort de ma fille m'a fait comprendre ce que ça fait de tout perdre. Maintenant, je me sens coupable parce que ma fille ne savait pas ce que son père avait fait. Elle était gentille. Elle disait souvent
que j'étais quelqu'un de bien. Que j'avais dépensé beaucoup d'argent pour la soigner. Que j'étais le meilleur père du monde entier. Elle ne faisait que dire qu'il fallait être une bonne personne. Comme ça, on irait au paradis. Et elle y est. Maintenant. Je voudrais que sa route pour là-haut se passe un peu mieux. Et je veux aussi être moins coupable. Désolé. Je suis vraiment désolé. Je vous ai blessé. Docteur Lin. Je m'excuse, sincèrement. Ne faites pas ça. Plus rien n'a de sens. Je sais que vous donner cela ne réparera pas mon erreur. Mais je voudrais me racheter. C'est... Toutes les preuves sont dedans. Pour ce que vous avez subi, je demande pardon.心看着你不回去，不忍心。